Votez, et vous aussi à la télévision, c'est le moment de voter. Prenez vite, chargez vite et votez. Parce que la Miss Katanga, c'est maintenant que ça commence. Par la candidate numéro 101, Benita Domingo Banza. On l'encourage, s'il vous plaît. Bonsoir, moi c'est Benita Domingo Banza, je suis encore élève à l'école, j'ai 19 ans. Alors, ce qui m'a poussée à passer aussi au concours Miss Congo, premièrement c'est ma passion. J'ai toujours aimé être une Miss et participer à des concours élèves. La seconde ville de la République démocratique du Congo. Lubumbashi. Et quelle est la première? Kinshasa. Bonne soirée, mademoiselle. Merci beaucoup. Merci. De ma province à quatre districts. Quels sont-ils?
Nous avons premièrement le Okatanga, nous avons le Olomami. Est-ce que vous pouvez me donner quelques noms de vos sponsors? On a RTL, le réseau numéro 1 en RDC. On a l'hôtel Grand Caravia. Nous avons le Lualaba et puis Tanganyika. Très bien. Nous avons la BIAC, la meilleure banque. Nous en avons beaucoup, t'inquiète pour vous, mais la meilleure société on minière. S'arrête là. Après débats et délibérations, il a été décidé que numéro 107, Bérénice Tamboué. Numéro 107, Bérénice Tamboué. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Numéro 106, première dauphine. Miss Province du Katanga, élection Miss RDC 2012, numéro 100. Pro 100. Numéro 101, Benita Domingo. Oh, Benita! Numéro 101, Miss Katanga, mesdames et messieurs, c'est votre choix. Voici la représentante du Katanga pour Miss RD Congo 2012. La voici. Vous l'avez votée et elle le mérite bien. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, Madame Esmeralda Ndundu Chibangu, accompagnée de Diane Mizumi, Miss Congo, édition 2006. Miss 2006, Diane Mizumi qui accompagne, qui est là pour décorer, mettre l'écharpe, la couronne sur la tête de la Miss Katanga. Elle est couronnée par Diane Mizumi, Miss Congo. Évidemment, on s'attendait tous à cela. Une fille de cuivre est sortie de cette finale du Katanga. Elle est donc Miss Katanga avec ses deux dauphines pour la conclusion de la soirée, Christelle. Une soirée, bien sûr, qui se conclut avec des larmes de tristesse, mais surtout des larmes de joie en ce qui concerne les deux premières candidates, c'est-à-dire la Miss et la première dauphine. Elles ont toutes les deux gagné leur ticket pour la ville de Kinshasa, où elles viendront concourir aux côtés des 18 autres déjà sélectionnés. Et avant de nous quitter, laissez-moi vous rappeler que nous vous donnons rendez-vous dans notre prochain numéro pour la province de l'Équateur, où justement nous allons découvrir Miss Équateur avec toute la chaleur et toute la renommée qui lui est commune.